Après, je viens de reprendre le Alba. Le Alba, c'est un peu le même effet que le chariot. Tu vois, tu fermes ta chute. Ça, à la limite, tu vois, si je suis tout seul et que je veux... En termes de sécurité, je trouve que c'est bien. Il y a des trucs, en fait, où quand tu choques quelque chose, tu mets pas le reste du bateau en difficulté. Tu vois, c'est que si jamais tu... Là, il y a du vent fort, c'est compliqué, tu pars au tas. Si tu choques le Jenac, alors c'est la solution la plus efficace. Par contre, après, il faut le reborder, le Jenac, quand même. Donc, tu peux avoir un peu du suraccident à choquer le... À choquer le Jenac. Choquer le Alba, a priori, il peut pas t'arriver grand-chose. Tu vois, si jamais t'es trop... Il y a trop de puissance. Si tu choques le Alba, tu vas faire vriller ta GV. Hop, et ça peut t'aider à repartir, quoi. J'aime bien ce genre de petits réglages que tu peux avoir un peu en... Il se passe quelque chose, il y a un orage, un machin. Tu choques ton Alba, tu sais que... Bah ça peut t'aider à remettre le bateau dans l'axe, quoi. D'accord. Parce qu'en fait, la voile va se déverser. Là. Ouais. Donc tu vois, une allure là, comme ça, un peu serrée. Et ça, c'est pareil, tu vois, t'es en équipage à plusieurs, les gens, ils savent pas trop. À la limite, tu peux dire... Je donne l'exemple des enfants, ça n'a rien de péjoratif, mais à la limite, un gamin de 10 ans, à partir du moment où il a compris, il va se coincer les doigts et compagnie, tu peux lui dire de choquer le Alba GV. Il va pas faire de bêtises, quoi. Enfin, je dirais au pire, la grand-voile monte. Choquer ça à un gamin de 10 ans, non, là, faut être derrière, parce qu'il met son pied dedans et il y a le machin qui part, c'est dangereux, quoi. Enfin, tu vois, c'est... Donc, oui, c'est pas violent. Tu vois, moi, là, si j'étais au large, ou si... Enfin, bref, t'es content d'avoir éventuellement ton Alba qui est ouvert, prêt à choquer. Il se passe quelque chose de pas bien, hop, tu choques ça. Ouais. Bah, disons que c'est si jamais ton bateau a l'équilibre à la barre, t'étais un peu gité, tu peux te retrouver un peu surbordé, quoi. Après, c'est la GV. En fait, le Jenac, ça, c'est presque le dernier que tu choques. Parce que si tu choques ta GV, si tu choques tout, à un moment donné, regarde, d'ailleurs, là, j'ai Alba GV. Si tu choques ta GV, elle va venir naturellement se mettre en drapeau dans ton Jenac. Ouais. Mais il n'y a pas beaucoup d'effort. Enfin, plus tu choques, moins il y a de l'effort. Le Jenac, c'est un peu l'inverse. Quand tu vas choquer, à un moment donné, il va faire un peu ballon et... Ça risque